Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit du méga haul et je suis en compagnie de Coco. Salut! Donc, pour ce haul, ça va être très simple. Elle va me passer les achats qu'on a fait un par un. On va commencer par les Star Wars et on finira par les Minecraft. Oui! Et comme vous pouvez voir, je me suis aussi acheté des nouveaux habits, mais ça, on s'en fiche. Donc, c'est pour mes 18 ans que j'ai eu tout ça. Je me suis vraiment fait plaisir. Donc, vous pouvez aller voir sur Facebook ou si vous êtes déjà allé, vous avez pu voir quelques photos et je vous ai déjà un peu informé pour le haul. Et donc voilà. Et on va commencer. À part si tu as quelque chose à dire avant? Rien, Rien? rien à dire, donc voilà, Non, on va voilà. commencer. Ouais, elle va me passer les trucs et je vais vous montrer. Et elle pourra aussi parler si Et... elle a des choses à dire sur les Ouais, figurines ou quoi, sur les je achats. pense plutôt sur Minecraft. Ouais. Ça Ouais, et va. oui, on a acheté aussi oui, du Minecraft, si je ne l'ai pas dit, d'autres Si, tu l'as trucs. dit. Voilà. Donc on va commencer. Donc, pour On commencer. vous les Ouais. présente vite fait, on va Oui, pas. voilà. Parce que Mais sinon c'est ça un va durer haul, 3 on heures. veut pas non plus que ça dure trop longtemps, donc on va essayer d'aller assez vite. Donc, comme premier achat pour Star Wars, j'ai acheté ce blister qui comporte un Stormtrooper de Star Wars Rebelle et un chasseur Tie, un pilote Tie plutôt, parce que c'est pas le chasseur. Voilà, je l'ai acheté surtout pour... Mais qu'est-ce qui m'arrive? On C'est va pas pas grave, recommencer, non, on laisse comme ça. pour la flemme. Je l'ai surtout acheté pour le pilote, que le Stormtrooper, je trouve pas si beau que ça, mais bon, voilà, comme premier Il me achat. semble que tu l'avais déjà en plus. Non, celui-là, Non. en rebelle, je l'avais pas. Je D'accord, l'avais c'est pas. quoi la différence? Je ne sais pas. Mais Rebelle, ça, c'est c'est dessin animé, non? dessin animé, et les autres, c'est le film. Ah, Ouais. c'est pour ça que c'est mieux moins fait en fait. C'est pour Mais ça c'est. là. Ouais, Je trouvais ça louche. ça fait dessin animé, c'est fait exprès. Ouais, voilà. Donc voilà, je vous remonte vite Ils fait. sont un peu maigres, hein, par contre, qui sont Ouais, minoristes. c'est un peu comme The Clone Wars, elles sont un peu maigres. Donc sur tout ce que vous voyez, il y aura une vidéo, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Vous en Alors, aurez pour un moment. deuxième. Encore de la même série de figurines. Il s'agit de R2-D2 et Yoda. Donc je l'ai pris surtout pour R2-D2. Parce que si vous ne le savez pas, je ne possède aucun R2-D2. À part le pourri Ouais, à là, part en un qui est plastique. vraiment pourri. Et là, j'en ai enfin trouvé un qui a l'air super avec Yoda. Mais il y a un Yoda Ouais, dessus. donc vous pouvez voir les prix, je m'en fiche. Tout est neuf, tout a été acheté dans un magasin de jouets. Donc vraiment, tout est neuf. Donc je crois que vous avez même le magasin de jouets, je m'en fous, je fais pas de la pub. Jouer club, Ouais, c'est voilà. bon, tout le monde connaît. Donc j'ai tout est neuf. Donc pour les prix, c'est du neuf. Bon voilà, c'est ce que... Jouer Voilà. Donc après... il s'agit de ça. Donc je connais pas les noms de tous. Donc il y a un Sandtrooper de Rebelle et l'autre, elle s'appelle Hera Erasidulé. Sendula. Tu vois. Désolé parce que je regarde pas Star Wars Rebelle, je les ai prises parce qu'il n'y avait, il y avait pas trop de choix. Et j'ai Ça pris serait presque toutes celles mieux. qui restaient comme figurines. Et donc voilà. Donc les voici. Comme j'avais le droit à dépenser assez pour m'acheter des figurines, je me suis fait plaisir. Mais je crois que t'as pris toutes celles que t'avais pas en fait. Ouais, voilà. Ouais, À en part gros, une c'est de ça. moche. Genre Yoda, par exemple, je l'ai en plusieurs fois, mais je l'ai Ouais, pris mais pas surtout pour aussi R2-D2. bien fait. Ouais, voilà. Donc, maintenant, un autre. Il s'agit de Leia et Luke Skywalker déguisé en Stormtrooper. Je l'ai pris parce que déjà, celui-là, il est classe. J'aime bien Leia. Et j'aime beaucoup la tenue de Luke Skywalker en Stormtrooper. Et comme vous pouvez voir, c'est pas tiré du Star Wars Rebelle, bien sûr. Donc, voilà. Super belle figurine. J'ai hâte de vous l'ouvrir, celle-ci. Statue, il y a écrit SW, genre Star Wars, tu vois. Ouais. Attendez, 2 secondes. Excusez-moi. Pourquoi t'enlèves le fond? Parce que pour bien voir le nom, parce que je m'en souviens pas. Excusez-moi, les amis. Hop, je vais essayer de pas déchirer le nom. Attends. Ah ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, ces figurines, donc elles y étaient, mais comme vous pouvez voir, elles ont été réagrafées. Je crois que c'est le magasin qui l'a fait. Donc c'est un peu dommage, vous allez voir, il y a quelques blisters qui sont un peu en mauvais état, mais bon, c'est pas très grave. Donc il s'agit de Biggs Darklighter, Tu connais voilà. pas son nom? Non, celui-là, enfin si, peut-être, je sais pas. Voilà, si... Donc voilà, c'est une Black Series de 10 cm. Voilà, donc derrière il y a toujours l'autocollant et tout. Bon, voilà, vous connaissez un peu. Mais en dessous. Ouais, je vais le mettre de côté ici pour moi. Après, pareil, en Black Series, un sergent clone. Voilà, donc belle figurine aussi, c'est sympa de l'avoir. Donc voilà, j'essaye de faire commandant, capitaine, sergent, lieutenant, enfin tout ça, et soldat normal des clones phase 1. Ben voilà, je suis content de l'avoir eu. Voilà. Donc j'espère aussi que ça vous fait plaisir que ce haul on le fasse en facecam avec Coralie. C'est plus Ouais. facile parce qu'après il voulait tout montrer d'ensemble mais là, ça allait bouger, ça allait Ouais, trembler, voilà. tout ça, ça allait Donc celle qui a pas. trouvé l'idée, c'est plutôt une bonne idée.
Donc voilà, pour les Black Series, il y en a encore, il n'y a plus que elle. Et Luke Skywalker en tenue de cérémonie. C'est vraiment il veut se marier ou quoi? Non, c'est dans un film, il y a une cérémonie. Donc voilà. On est content d'avoir ces trois-là en plus de ceci. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça fait déjà pas mal de figurines et en plus elles sont toutes neuves. Ouais. Là, on passe, toujours dans l'univers Star Wars, mais dans autre chose. Je pense que vous avez entendu le bruit. Il s'agit de Lego Star Wars. Donc j'ai pris celui-ci parce qu'il était pas super cher et j'adore les clones du 212e bataillon de Commandant Cody. Donc il y a des Airborne Troopers et des clones. Donc voilà. Je le monterai et je vous ferai une vidéo dessus. Donc c'est sympathique, en plus c'est pas très grand. Donc voilà, je voulais essayer, pourquoi pas. Enfin voilà, ça coûte rien d'essayer, puis c'était plutôt Qui pas mal. tente rien à rien. Voilà, tout à fait. Après, ça en plus c'est ma mère qui a eu l'idée. Ouais, Ma elle a mère, vu, elle, elle a dit ouais bon, voilà. allez, vas-y. Donc un petit porte-clés R2-D2 qui fait, ouais, qui fait de la lumière. Donc voilà, si j'ai peur la nuit, je pourrais toujours m'en servir. Voilà, bon, assez cher si ça coûte 10 euros. Cette merde, Ouais, 10 euros. c'est pas de la merde non plus, mais bon, Bon, c'est un petit10 porte-clés euros. hein, pour ta prochaine voiture. Ouais, pour ma prochaine voiture et pour moi, pour mes clés d'internat. Donc Voilà. voilà. Non, c'est cool, c'est mignon quand même. Ouais, je vous montre un peu plus près. Hop, je vois rien. Le derrière aussi, pour voir si ça Ouais, s'allume. voilà. Là, je crois que les piles sont fournies avec. C'est cool. Donc voilà. Après, ça j'adore. Il s'agit, je pense que vous en avez vu, il s'agit des Hot Wheels série Star Wars. Non, j'ai pris ma préférée, donc c'est celle de Dark Vador. C'est vrai qu'elle est sympathique. Voilà. Ouais, elle est super belle. Hop, je remonte de plus près. Ça reste toujours dans l'univers Star Wars, donc voilà, ça colle bien. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur le haul ou tout ça et tout, vous pouvez toujours m'en poser en commentaire de la vidéo. Et là, on passe à quoi? Ah Ça. oui! Et l'autre, du coup, j'enlève Ouais, donc elle est ici. non. Alors là, par exemple, on va vous montrer des choses. Il y a un blister qui a été décollé, mais je l'ai pris. Ça a coûté que 5 euros et comme vous allez voir, c'est super. Ce que ce qu'on a pris. Je montre pas ça, c'est pas la Ah, peine. ça fait tomber quoi? Non, c'est le truc qui sert à Ah rien. oui. Bon. Prends le blister aussi, bébé. D'accord. Donc, il s'agit de Tech Deck. Si vous connaissez pas, c'est des mini skates donc voilà, qui sont faits, enfin, etc. Là, il s'agit des Tech Deck édition Star Wars en collaboration avec Santa Cruz. Cette fois, j'ai réussi. Si vous avez vu la vidéo de Noël, vous avez vu que j'ai fait que bugger. Ce blister est cassé, donc il s'agit de Han Solo. Comme ceci. J'ai trouvé ça trop stylé. En plus, C'est moi c'est toi qui qui lui les ai as trouvés. montré, Mais je lui ai voilà. dit qu'elle regarde ce qu'il n'y en avait pas. Donc j'ai pris les deux, donc ça m'a coûté 10 euros. Je vous montre l'autre. Bon, il y a ça. Oui, ça, c'est pour enlever les roues. Voilà. Et y a un petit support qu'elle a fait tomber, mais c'est pas très grave. Hop, on va faire un peu de place. Et Elle. Elle est celui-là. trop belle. Ouais, si vous avez vu Oh, le le spécial Noël, Noël. j'ai acheté une planche de skate avec l'effigie de Boba Fett. Et là, je l'ai retrouvée en miniature. Voilà, Sympa. donc c'est pour ça que je l'ai prise. Elle est vraiment magnifique, même comme ça. Je suis trop content de l'avoir, donc ça va très bien avec. Et en plus, Boba Fett, c'est mon personnage préféré, donc super content de l'avoir eu. Voilà. Je ferai peut-être plus de vidéos aussi comme ça, en facecam en fait. J'en ferai un peu plus. Je trouve ça cool. Ouais, à part quand tu Voilà. dois les déchiqueter et tout, enfin Ouais. vraiment les Fais montrer. voir ce qui reste. Ok. J'ai pas Attends, attends. Bon, je monte Je voulais pas dire alors. un truc d'abord. Là, Vas-y. on passe au Minecraft. Et je voulais vous dire que sur le Minecraft, maintenant, c'est plus moi qui vais le présenter. Ça sera Ah non, Coco. on avait dit non. Oh, bah, on avait dit oui. Je sais pas. Quoi? Que c'était moi qui l'ai présenté. Mais c'est ce que je viens de dire. Mais moi j'avais dit non. Enfin, je sais plus. T'avais dit oui. Ah bon? Oui, t'avais dit oui. Donc ça sera Oh, Coco qui présentera non. les figurines Minecraft. Et là, on en a Que acheté j'aime bien. trois. Elle aime bien, bah, moi J'aime aussi. beaucoup. Sinon, j'en aurais pas acheté. Donc tu veux bien faire voir? Ah, je le fais? C'est Oui, si bon. tu veux, tu peux. Ouais, elle est trop mignon. C'est un Enderman. Faut pas le regarder Voilà, dans c'est les une yeux. peluche. Voilà. Oh, il est trop mignon, je vais dormir avec. Voilà. Voilà, c'est pour ceux qui aiment Minecraft, vous allez avoir des vidéos maintenant et Et mon Jang, Mais hein, bon, enfin bon. voilà, Made in China, tout bordel. Donc voilà, c'est mignon, c'est cool. Tu fais un bisou? Voilà. Ça reste toujours dans un univers que j'aime bien, donc je suis Mais c'est content. Et je pense que rigolo. pour les fans de Star Wars, ceux qui sont surtout abonnés à la chaîne, vous avez été servis avec le début du haul. Il y en avait vraiment eu beaucoup, je trouve. Et tout était neuf.
Donc maintenant, tu le Creepy. montres? Ouais. Yes. On a pris la figurine d'un creeper, donc qui est composé de la creeper, de la De la creeper. TNT, enfin creeper TNT et de la poudre Canon. à canon. Voilà, vous pouvez voir Bon, derrière. c'est super sympa, c'est assez cher, pardon, ça coûte Ouais. 13 euros. Bon, c'est même plus que des figurines Star Wars. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'ai rien Voilà. dit. On avait déjà le Steve, bah, je crois que tu Ouais. l'avais déjà montré. Ouais, j'avais déjà essayé, mais on en a repris. Voilà. Et On a repris un. ben, du coup, c'est lui avec le bloc Voilà. de charbon. Voilà, avec le bloc de Et charbon, la on l'a pioche pris. en pierre. D'un côté, au moins, ça peut faire juste deux joueurs qui jouent ensemble. Enfin bon, voilà, vous comprenez un peu. Donc, par exemple, ça, c'est Coralie, et moi, je suis l'autre. Et puis Oui, voilà. voilà, exactement. Ben moi, je suis la plus riche parce que j'ai un bloc de charbon, tu vois. Voilà. Il Donc, c'est super sympa comme figurine. Si vous aimez bien Minecraft, je vous conseille d'en acheter. faudra acheter le zombie, il est trop beau. Ouais, le zombie, il est cool. Bon, voilà. Et maintenant, la meilleure Ouais, figurine mon qu'on a acheté préféré. Minecraft. Encore et toujours un Un Enderman. Enderman. Voilà, elle est Voilà. super stylée. Avec son bloc de dirt, si vous. De terre, pour ceux qui connaissent pas. Et un petit champignon. Même pour ceux qui connaissent aussi, on voit toujours les Endermans avec des blocs de terre, on sait pas ce qu'ils font avec. Voilà. Bon, bah, ils sont très mignons, hein. Moi Donc, j'aime ça, c'est beaucoup. surtout. Je les ai surtout aussi achetés pour Coralie parce qu'elle adore Minecraft comme moi. Oui. Donc, elle sera contente de vous faire les vidéos. Je serai sûrement avec elle pour pour les faire. Bah oui, un peu plus, oui. Et donc, voilà. Est-ce que tu as un coup de cœur Star Wars? Un coup de cœur, franchement. Un truc que tu aimes bien pour leur montrer. Un coup de cœur. Tu me dis si c'est là, ben, pour que je te la. Ça. Je sais Non, pas ok. pourquoi. J'aime Ça trop. serait Bon, les autres, elles sont belles, hein. le tech deck Star Wars Boba Fett. Voilà. Et peut-être l'R2-D2 et Yoda. R2-D2 et Parce que Yoda. R2-D2, c'est mon personnage préféré. Au moins, vous le savez. Voilà. Donc, R2-D2 et Yoda. Voilà. Mais je préfère Minecraft, voilà. Moi, franchement, sans vous mentir, tout ce que j'ai acheté, je le kiffe. Je suis vraiment content d'avoir acheté tout ça. Même un porte-clé comme ça, je suis tellement content de l'avoir. J'ai vraiment trop hâte d'installer tout ça et de vous faire des vidéos de présentation dessus. Vous pouvez toujours aussi me dire en commentaire, en plus, ce que votre figurine préférée ou ce que vous avez aimé. Vous pouvez, si vous avez besoin de renseignements, je suis dispo par mail ou en commentaire ou sur Facebook en message privé sur la page. Donc comme d'habitude, vous aurez tout dans la lien de la description de Dans la la liane. dans le lien de la description de la vidéo, pardon, toujours des bugs. Et donc voilà. J'espère que ça vous a plu de nous voir à nous deux pour ce haul. Nous, ça Voilà. nous a fait vraiment plaisir de vous le faire. Maintenant, on va tout enlever, on va s'amuser, on va kiffer. Voilà, on va trop s'amuser parce que maintenant il faut tout qu'on installe, il Mais faut tout j'ai qu'on trop range. envie d'ouvrir le creeper Mais oui, normal. t'inquiète pas, on va tout ouvrir. Donc les amis, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça prend que quelques secondes et ça vous coûte rien. Et moi, ça me boostera encore plus pour faire des vidéos de meilleure qualité. Voilà, je tenais aussi à vous dire que pour les 30 abonnés, comme je vous ai déjà dit, il y aura un concours pour gagner un truc. Je savais pas. Ah oui, j'ai oublié de te le dire. Oh, mais même pas au courant. Voilà, je vous dis pas ce que c'est comme d'habitude. Vous verrez bien. Je dois savoir. Oui, je te dirai, t'inquiète pas. Ouais, je te dirai, vous inquiétez pas. Et non, tu diras rien. Et Ah. donc voilà. Bah écoutez, on va se laisser. T'as un truc à dire pour la fin, comme d'hab. Voilà. Donc tu diras au revoir, peut-être. On vous fait plein de bisous, au revoir. Allez, Ouais. ciao tout le monde!